Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est comment afficher son chat directement sur OBS. Alors je vais faire montrer que ça fonctionne. En gros là c'est le dashboard, je mets trois petits points, vous voyez que ça met bien message ici. Alors du coup pour mettre votre chat sur OBS, vous allez aller sur Twitch, sur votre compte, et vous allez prendre le chat. Et si vous avez pas, si ça fonctionne pas, prenez dans directement gestionnaire de stream. Là vous avez votre chat, vous faites dans les trois petits points, pop out, pop out. Pas trop comment ça dit. Vous prenez l'URL, vous faites CTRL C ou clic droit, copier. Vous allez vous rendre après sur OBS, afficher, docs internet personnalisé. Ici, nom du doc, vous allez mettre chat. Et dans l'URL, vous mettez l'URL que vous avez copié. Vous allez faire appliquer. Là, vous allez avoir votre chat qui s'affiche. Vous pouvez mettre où vous voulez, si ça dépend votre endroit que vous préférez. Moi, perso, je mets ici à gauche. Vous faites appliquer, vous fermez. Et là, vous avez directement votre chat sur OBS. Alors, je vais faire voir que ça fonctionne. Là, on va écrire exemple. Voilà, ça l'écrit. Alors, pour supprimer les messages ou bannir les personnes mal intentionnées qui viennent sur votre live, vous allez vous rendre côté de chat, paramètres du chat, et vous allez faire afficher icône de modération. Et après, bah, vous pourrez mettre ce que vous voulez. En gros, c'est pareil que ici. C'est vraiment, vous avez copié le chat. Alors si vous voulez directement enlever le chat, en gros la catégorie ici, vous allez aller dans Afficher, Docs, et ici vous allez cliquer sur Chat pour le désactiver. Et après vous pouvez revenir dessus et là vous aurez bah, tout ce qui est ici en fait. Depuis la mise à jour 25.0 de OBS, bah, vous pouvez tout modifier et le mettre où vous voulez. J'espère que le tuto vous a plu. C'était un tuto très simple qui allait vite. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et si vous avez une idée de tuto, en gros, un système que vous n'aurez pas à trouver sur YouTube et que vous voulez que je vous le présente, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous cherchez des tutos, n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne. J'en ai fait quelques-uns qui pourront peut-être vous intéresser. Sur ce, je vous laisse. Peace.